Les mesures principales consistent à réduire la consommation de viande rouge et de charcuterie. On considère que plus de 500 grammes de viande rouge par semaine est une consommation excessive. À côté de cela, ce qui est très important, c'est d'avoir un régime alimentaire riche en fibres, c'est-à-dire riche en fruits et en légumes. Hein, c'est le classique slogan qui consiste à recommander la consommation de 5 fruits et légumes par jour, puisque cela a clairement été démontré comme bénéfique en réduisant là encore le risque d'adénome et de cancer colorectal. À côté de ces deux mesures phares, il semble que la consommation de tabac et d'alcool soit également des facteurs de risque. Et nous recommandons donc de ne pas fumer et de ne pas consommer d'alcool de manière excessive. Et puis, en marge de ces mesures diététiques, il est également tout à fait clair que la sédentarité et le surpoids sont des facteurs de risque également de cancer colorectal. Donc il est très important de garder une activité physique régulière, quelle qu'elle soit, et de surveiller son poids, d'éviter de se retrouver en surpoids, parce que là, effectivement, ça augmente beaucoup de risques, mais en particulier le risque de cancer colorectal.